Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés en ce jeudi de l'Ascension pour cette grande fête. Nous verrons comment cette fête aussi est une invitation pour nous chrétiens dans le monde. Bienvenue à tous ceux qui sont de la communauté chrétienne habituelle, mais aussi à tous ceux qui sont de passage par le biais de ce merveilleux pont de l'Ascension qui est non seulement une fête chrétienne, mais aussi l'occasion d'être en vacances. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant ensemble que nous sommes pécheurs. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Seigneur, sois avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait : il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour,
et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis, il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, sur la place Saint-Vincent, un monsieur qui est déjà un grand-père vient me voir avec des grands signes et me dit « Mon père, j'ai une histoire à vous raconter. » Alors je m'arrête et me dit « Voici, hier, j'étais donc près de la Vierge Marie, je venais d'allumer une bougie. Et puis voilà qu'une petite fille de 4 ans environ vient me voir et me dit « Que faites-vous ?» Alors ce grand-père, qui est parmi nous d'ailleurs, ce grand-père lui dit « Mais tu vois, je prie Marie. Est-ce que tu connais Marie ?» Donc la petite fille de lui dire « Non, je ne connais pas Marie. » Et le grand-père de lui dire « Marie, c'est notre maman du ciel. Elle est montée au ciel. » Et la petite fille de dire « Comme Marie Poppins ?» Voilà. Alors, je commence mon homélie par cette petite histoire que je garde en réserve plutôt pour l'Assomption, mais de la Vierge Marie, mais je ne voulais pas vous en priver. Alors, au sujet de l'Assomption, quand j'étais enfant, eh bien, nous partions avec mes frères et sœurs, nous partions en voiture, soit dans la direction du Morvan, soit dans la direction du Limousin, ça dépendait du choix des grands-mères, et sur la route, enfant, je disais toujours à mon papa, quand est-ce que nous allons être sur le pont de l'Assomption ? Et très longtemps, pour moi, l'Assomption était une construction d'architecture, au fond, un pont. Quelques années après, j'ai compris, j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était une fête religieuse, restée un peu confuse dans mon esprit avec l'Assomption d'ailleurs. Et puis, arrivé en entreprise, j'ai constaté que l'Assomption, le pont de l'Assomption, suscitait des regards particulièrement gourmand. Et ces sourires, je l'ai compris, étaient davantage liés à des douces perspectives de jours fériés plutôt qu'à des considérations religieuses ou de fêtes religieuses. Et pourtant, l'expression de pont est assez bien choisie pour comprendre le mystère de l'Assomption. Aujourd'hui, en quelque sorte, nous sommes situés devant, on va dire, pour ceux qui aiment théâtre, ce n'est pas une pièce de théâtre, mais nous pouvons dire qu'il s'agit de l'acte 3 au fond du plan du salut. Acte 1, le Christ vient au monde, Noël. Acte 2, le mystère pascal, la mort et la résurrection. Acte 3, l'ascension. Et nous fêterons l'acte 4, on ne sait pas bien quand, mais ce sera lors du retour glorieux du Christ. De quoi s'agit-il et pourquoi ce mystère est-il au fond un pont ? Eh bien, nous l'avons parfaitement entendu à travers les Actes des Apôtres et puis l'Évangile de Saint-Luc. Jésus repart vers le Père. Il est venu sur la terre, non pas pour faire du tourisme, mais il est venu puisqu'il connaissait déjà la terre, l'ayant créée. Il est venu sur la terre pour accomplir cette œuvre fantastique de salut. Et il accomplit son chemin, son salut. Il l'accomplit en retournant vers le Père. Alors ce retour vers le Père est particulier. Nous savons bien, quand nous disons au revoir, et nous faisons tous un jour ou l'autre cette expérience, quand nous disons au revoir à
notre papa, notre maman, nos grands-parents qui repartent au ciel. C'est un moment qui est un moment extrêmement brûlant, extrêmement dense, et toutes les paroles qui sont échangées à ce moment-là, elles restent scellées. Ce sont des paroles extrêmement précieuses qu'on garde en mémoire. Là, c'est le Christ qui repart vers le Père. Mais il a ceci de particulier, c'est qu'il est Dieu. Et en étant Dieu, il nous laisse son corps qui est l'Église, son corps qui est la communauté chrétienne. Et dans le mystère de l'Ascension, nous fêtons au fond le passage du Christ de l'autre côté. On peut dire qu'aujourd'hui, la tête de notre Église est auprès du Père, c'est-à-dire le Christ-tête est déjà de l'autre côté, mais son corps, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes au fond encore en train de cheminer à travers les siècles jusqu'à la fin des temps. Ainsi, cette fête de l'Ascension est comme un grand pont, un pont entre le ciel, où le Christ réside déjà, et un pont avec la terre, où nous sommes encore. Alors ce pont, ce mystère de l'Ascension, en quoi est-il une invitation pour nous? Vous l'avez compris, nous sommes le corps du Christ, nous sommes les membres agissants du Christ. Eh bien, il y a une parole très très forte du Christ que nous pourrions finalement retenir, apprendre par cœur, c'est celle-ci. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Le Christ ne dit pas ne regardez pas le ciel, mais c'est un peu différent. Alors regardez le ciel, nous y sommes invités puisque nous y allons tous. Le ciel, c'est notre patrie définitive. Nous savons où nous allons vers le royaume, et nous sommes en quelque sorte déjà citoyens du ciel. Nous sommes déjà membres de cette patrie depuis notre baptême. Et donc nous regardons le ciel, c'est quelque chose, et nous l'avons fait à travers les derniers dimanches, nous entendions la révélation par l'Apocalypse de notre destinée, de cette Jérusalem céleste qui, au moment de notre mort, nous saisit tout entier. Mais quand le Christ nous dit « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?», c'est pour nous rappeler que nous sommes bel et bien des citoyens aussi de notre patrie terrestre. Quand le Christ nous invite à être, à ne pas regarder planté, à regarder le ciel, c'est au fond qu'il nous invite à aller. Vous connaissez ce petit mot de « va » que nous retrouvons souvent dans les paroles du Christ. « Va » ou autrement dit « bouge-toi ». Dans l'évangile du jour, nous entendons « soyez mes témoins, c'est vous qui êtes les témoins ». Alors vous l'avez compris, cette fête de l'Ascension, c'est aussi pour nous une invitation à être nous-mêmes des ponts. Je trouve que c'est très beau d'être soi-même, depuis notre baptême, un pont entre le ciel et nos patries. Nous qui sommes français, nous sommes citoyens français, eh bien nous pouvons dire qu'en notre personne, nous sommes un pont entre la citoyenneté du ciel et notre citoyenneté française. Hier, un journaliste qui préparait un article sur un blog qui s'appelle Rue 89, m'a demandé si je pouvais répondre à une question. Alors sa question, elle était très intéressante, elle était étrangère, cette personne, au christianisme, mais elle me disait, mais pouvez-vous m'expliquer quel est le moteur de l'engagement des chrétiens depuis 20 siècles? Pouvez-vous m'expliquer quel est au fond votre secret, votre ressort intérieur? Et alors je lui ai expliqué que, en effet, l'engagement était dans notre ADN. L'engagement était dans notre ADN. Quand nous regardons l'histoire de l'Église, les chrétiens, à travers les siècles, ont été des personnes engagées, respectueuses des personnes autant que possible, respectueuses des institutions, mais profondément engagées. Engagées du côté de la charité, nous voyons encore aujourd'hui avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, engagés du côté de l'éducation à travers la création des écoles, la Compagnie de Jésus, engagés aussi du point de vue de la politique. Nous voyons bien les grandes figures chrétiennes du XXe siècle qui ont construit l'Europe, Jean Monnet, Konrad Adenauer en Allemagne ou Alcide de Gasperi en Italie.
Eh bien, oui, oui, nous sommes un pont entre le ciel et la terre, et le Christ nous invite, non pas à rester plantés les bras ballants, mais à être des personnes engagées, engagées dans nos sociétés. Apportons la bonne nouvelle qui est l'Évangile. Apportons notre expertise en humanité. Vous savez que le pape Paul VI avait qualifié l'Église comme experte en humanité. Et le pape Benoît XVI, il y a 2 ans, dans son discours à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, avait dit « L'Église offre une expertise en humanité ». Eh bien oui, chrétiens, nous sommes porteurs d'une expertise sur la vie, l'être humain, sur ce qu'est le début de la vie, la fin de la vie, toutes les questions qui peuvent traverser les sociétés civiles. Eh bien, n'hésitons pas à apporter notre regard, notre message, notre évangile de la vie. Hier, à la cérémonie civile du 8 mai, au monument aux morts, nous avons entendu un très beau passage écrit par le maréchal de Lattre, de Tassigny, qui était lui aussi un très grand chrétien, lui engagé dans l'armée. Eh bien, peut-être que toutes ces grandes figures nous rappellent, en ce jour de l'Ascension, eh bien, que dans notre patrimoine génétique, nous est conféré par le baptême et la confirmation, il y a cet appel pressant du Christ, siècle après siècle, à être des personnalités, des personnes témoins de la vie. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Nous prenons le symbole des apôtres qui se trouve à la dernière feuille du livret jaune. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Ascension, prions pour nous-mêmes, nos familles, nos patries. De son cœur attaché. Ô Christ, monté aux cieux, exauce-nous. Des hommes doutent de la présence de Dieu, qu'ils découvrent en nous voyant des témoins du Christ vivant. Prions pour tous ceux qui occupent un poste de responsabilité. Que le Seigneur leur donne la sagesse nécessaire. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous.
notre communauté se rassemble autour du Christ élevé dans la gloire. Comme les disciples le jour de l'ascension, nous sommes devenus responsables de porter le message de Jésus et de témoigner de sa parole. Que ton esprit, Seigneur, nous aide à accepter cette tâche et la remplir avec conviction. Ô Christ, monté aux cieux, exauce-nous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui.
dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ascension à tous.